Niger, le régime militaire dénonce des agissements perfides du chef de l'ONU, le régime militaire qui a pris le pouvoir au Niger en juillet a dénoncé vendredi les agissements perfides du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qu'ils accusent d'avoir fait obstacle à la participation de leurs représentants à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, auteur du coup d'état et le gouvernement de la République du Niger prenne à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterre, qui sont de sorte à saper tout effort de sortie de crise dans notre pays, indique un communiqué lu à la télévision publique. Selon ce texte, M. Guterre s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de cette Assemblée générale, le régime militaire au pouvoir avait envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères, Bakari Garé, qui était avant le coup d'État du 26 juillet le représentant du pays à l'ONU. Monsieur, Guterre a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger, mais a surtout accédé à la demande fantaisiste de l'ex. Ministre des Affaires étrangères a soumis Massaoudou tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations unies, note le communiqué de Niamey. Le Niger récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterre dans les affaires intérieures d'un État souverain, ajoute le texte qui dénonce la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones ouest-africains. Sans les citer, les généraux nigériens ont renversé le 26 juillet le président El Mohamed Bazoum séquestré depuis dans sa résidence.